Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 d'Assassin's Creed 4 Black Flag sur Wii U. J'espère que vous allez bien, pour moi ça va super. Alors attendez, je vois un coffre sur les cartes, il doit certainement être derrière. Ah, il est là, voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va continuer l'histoire. On va continuer l'histoire principale. On va éviter d'aller sur les toits quand même. Parce que... bon, on va aller. La carte elle nous dit d'aller où? Bah c'est. Attendez, mais c'est carrément à l'autre bout. La carte elle nous dit d'aller au port. Très bien. Au port. Alors on a un contrat d'assassin. D'observation. Alors, je vous propose d'aller au port en passant par ici. Voilà. Bah, il est qu'à 100 mètres, c'est prêt. Hop. Hop. Merci. Le problème va venir du fait que. Voilà. Hop. Ils vont nous casser les pieds. Oula. Enfin, y a une zone protégée juste à côté. Attention. Ok, donc c'est là-haut. L'escalade a toujours un point qui est un peu... Hop. Non, t'as rien pour sauter, on va aller par là. Voilà. On va grimper par là. Hop. Et là, ça devrait être bon. Appeler. Voilà. What the... Bon, ça commence. Les morts à cause des bugs. Ah ouais, mais du coup, il est où mon point d'observation? Ah, il est à perpète, ça y est. Bon. Ouais, bon, de toute façon. On va essayer d'y retourner, mais en étant un peu plus fluide dans notre escalade. Bâtiment. Voilà. Fou de la base de données. Alors on va essayer d'atteindre un des sommets rapidement. Là. Ça aurait été plus vite que tout à l'heure de ce côté-là. Commence à être haut, ou alors commence à pas faire beau. Hop. Alors pour le coup, je vais mettre en mode gouttière. Voilà. Le petit matin, il y a du brouillard, c'est sympa. Voilà, voilà, donc ce point d'observation c'est fait. On va regarder rapidement ce qu'on a autour. Coffre, on a des magasins. Alors ici on a un truc de recrutement. On va pas y aller, nous on va aller à la mission du scénario, donc qui est. Et on voit à peu près tout d'ici.
Et là-bas. Ouais, super. Hop, défi Abstergo terminé. Hop, voilà. Là, merci. Ah, on y arrive. Ah oui, aussi j'ai remarqué un truc. Est-ce que je les ai? Ils les montrent là, donc je devrais les avoir. C'est bizarre, c'est bizarre. Faut que je m'enseigne, logiquement, je suis censé avoir les épées de les lames de Tolède. C'est bizarre, je suis censé avoir les lames de Tolex qui m'ont récompensé ce play que j'avais déjà récupéré sur mon ancienne partie. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Bon. C'est pas grave, direction la mission. Steve. Que fais-tu? Désolé d'être parti si vite, on m'a pris pour un autre. Ils ont eu la main lourde. Ah, quelle poisse. Je suis désolé, tout est de ma faute. J'essaie juste d'éviter que les Espagnols me voient. Ah, c'est trois fois rien. Malheureusement, ces soldats ont confisqué mon sucre, ainsi que vos papiers. Bon sang! Où ils sont allés? Je n'en ai aucune idée, à mon grand regret. Je crois bien que ces messieurs le savent, mais mon espagnol est moins maldade, alors mieux vaut que je m'abstienne. Ah. Viens, on va les suivre. Je dois récupérer mes cartes. Et mon sucre? Et j'en ferai quoi de ton sucre? On verra, mon ami. Alors, hop. Voilà, comme ça, on va continuer. Regardez les deux cibles en jeu. Ça ne vous gêne pas que je vous suive, Duncan. Engagé dans ce jeu. Personne ne voit. Je vous veux donner. Honnête. Je crois que je commence à prendre le pli. Silence. Je crains qu'il ne nous ait repérés. Reste derrière. Oh, ça, je peux continuer à avancer. Nous séparer pour tromper. Ça, c'est la meilleure idée de la journée. Tranquillement. Bonjour, messieurs. Vous êtes en retard. Oui, monsieur. Oui. Nous sommes désolés. Notre capitaine nous a retardés. Alors, là, ça va pas le faire. Il va falloir qu'on se dépêche. Oui, il est impatient de faire votre connaissance. Mais il doit d'abord assister à une pendaison. Une pendaison. Ah, ils vont sortir par là. Oh, quelle aubaine, monsieur. Quand nous entendrons la cloche, nous pourrons y aller. C'est tranquillement. Cela me réjouirait. Alors, ils vont passer par la deuxième zone protégée. Il doit toujours me payer les esclaves qui est vendu. Voilà, voilà, voilà. On va commencer à avancer vers leur sortie. Parfait. Et avancer un petit peu plus vite, c'est ça. Voilà. Oula, attendez, je crois qu'ils vont vers moi. La cloche, seigneur. La pendaison va bientôt commencer. Eh bien, ne traînons pas. Oui, monsieur, suivez-moi. C'est de suivre comme ça. Monte, allez. Plus vite. Attention à qui ne pas
tout en les gardant en visée. J'aime bien la vision d'Ake de ce Assassin's Creed là. C'est vachement loin. Faire gaffe, faire gaffe. Attention, faire quasiment toujours en sorte qu'il soit qu'on soit en angle mort avec eux. Hop. Ah, écoutez la conversation. Il y a les danseuses. Voilà, hop, parfait. Hop. Combien de temps va prendre cette pendaison? J'ai pas l'intention d'attendre toute la journée. Elle sera bientôt finie, monsieur. Et dès que le capitaine Mendoza l'aura pendue, il vous versera votre argent. J'espère qu'il ne compte pas me payer en reales. Je veux des marchandises, du tabac, du rhum, du sucre. Si, si. Nous avons saisi une belle quantité de sucre. La nuit dernière, à un gros anglais. Ah, ça, c'est ce qui m'intéresse. Un anglais ? Si, du sucre des Barbades, de bonne qualité. L'entreposant, c'est le verre a provoqué une rixe la nuit dernière. Il a fui en abandonnant son sucre. Cela conviendra. Vais-je devoir l'accompagner au Castillo ? Non, faites votre boulot. Je pense que le capitaine Mendoza vous le fera livrer. Oui, c'est certain. Par tous les dieux, cette grande brute est le capitaine Mendoza. Non, monsieur. Ça, c'est El Tiburon, l'homme de main du gouverneur Torres. Ok. Capitaine. Diversion. Là. Hop. Bien. Hop. Parfait. Et la clé au capitaine. Juste. Ah, c'est le capitaine de Osbar. Allez-y. Oh merde. Allez, casse-toi! Ah merde, toi, je suis où dans ce bordel? Je me casse! Ah. Ah, parfait. Récupérer la clé tranquillement. Ah, attendez. La page. Ah, je vais mourir. Où est le capitaine? Ah, non, 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 paix. Oh, je sais plus. Ça y est, j'ai déjà perdu les touches. L'épisode, c'était il y a une semaine, j'ai déjà perdu les touches. Ah, c'est pas bon ça. Faut que je me reconcentre. Faut que je me reconcentre. Capitaine est là-bas. Alors, elles sont les danseuses. Tenez là. Oh, si.
Là, on va falloir faire attention, on va falloir faire diversion sur... Occupez-vous d'eux. Voilà. Hop, donc on a réussi l'objectif de distraire les gardes. Il est chaud. Maintenant, il faut aller jusqu'à l'entrepôt. Alors, l'entrepôt. 17 minutes de vidéo. Alors, l'entrepôt, il est là. Je connaissais un chemin qui était assez rapide et facile à prendre. Par là. En passant par le port. One guard. Qu'est-ce qu'il nous a fait les doigts? Et bon, il y a moins de gardiens, mais un garde. Il n'y a pas de bateau. Hop. Seul. Et qu'ils reviennent. J'ai l'air d'être en mode je m'en bats les steaks. Ah bah oui. Là en fait qu'il fallait être rapide. Hop. Ouais. Décor. Merde, merde, merde. Ah le con. Merde. Pas repéré, voilà. Hop. Voilà. Non. Pas débile, moi. Ah, pas débile sur les bords, voilà. Je vais me tromper de touche. Bon, du coup, ils m'ont perdu, c'est bien. J'aurais dû cacher le corps avant. Ça va, la porte est restée ouverte, c'est la salle principale. Hop, on va remonter. Ah! Comment ça, il m'a vu? Wait. Wait. Carrément invisible. Il garde en vie. Non, c'est un baril explosif. Pas la même chose. Ah. J'ai soit moyen de grimper sur la muraille. Ah merde, mais l'entrepôt est derrière. Ville.
Bah, il y a un garde. Perdu. Oh merde, il arrive. Mais bon, tu me vois plus. Garde là qui peut voir n'importe quel moment. Voilà. Bon, j'atteins l'entrepôt avec une petite facilité, ça va encore. Quelques difficultés sur le chemin, mais bon. Voilà. C'est rapide ça. Bon, ça reste la face. Oh, il y a des bateaux là-bas. C'est la phase, on va dire, difficile de la mission qui est passée. Introduire dans un fort, tout ça. Encore, je trouve que je l'ai mieux réussi que d'habitude. Voilà, alors on va passer par là. On a trop cher. Ah mais non, mais non, moi je voulais utiliser les poteaux. Oh tapis, je suis un peu de nage. Ça fait du bien. Il aime bien nager notre cher assassin. Hop là, bon. Désolé pour ton sucre. J'ai fait ce que j'ai pu. Oh, c'est sans conséquence. J'ai une cargaison suffisante pour tirer profit de ce voyage. Tu vas rester ici longtemps ? Quelques semaines, probablement. Puis je retourne à la Barbade, à l'ennui de la vie domestique. Ne te résigne pas à l'ennui. Va à Nassau. Et vis selon tes désirs. Oh, j'ai entendu dire que Nassau était un vrai nid de pirates. Un endroit des plus sordides. Pas sordide, libéré. Oh mon Dieu, quelle aventure ce serait! Mais non, non, je suis un mari et un père, j'ai des responsabilités. La vie n'est pas qu'une simple partie de plaisir, Duncan. Hey, Bonnette. Je m'appelle Edward, en fait. Duncan n'est pas mon vrai nom. Ah. Un nom secret pour votre petite visite chez le gouverneur. Le gouverneur, oui. Je crois que je l'ai fait attendre assez longtemps. Voilà, donc engager des gardes pour distraire les gardes, c'est fait. Ne prenez pas part au combat, c'est parfait. Voilà. Bon, bah on va arriver à 25 minutes de vidéo, gentiment. Donc on va faire 2-3 trucs annexes pour finir. Annexe. Donc, bon, on va récupérer ce fragment d'animus. Voilà, hop, il était facile, il était sur le chemin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Là, on a un coffre au milieu de la flotte. Donc, prochain épisode, on ira voir le gouverneur. Le coffre, là. Alors, les notes de musique qu'on a, comme celle qui est partie. Non, elle est encore là. Ah oui. C'est dit, bon, j'en ai ras le bol, je me casse. On va essayer de les récupérer, bien sûr. Ah bah, on a réussi à la récupérer, là. J'aurais pas pensé qu'elle prendrait le chemin, bon, c'est pas grave. C'est à Biram. Ok, ça c'est en fait quand on va avoir notre navire, pour ceux qui connaissent pas le jeu, mais ça m'étonne quand même. On va avoir des pirates qui vont chanter et bah c'est les chants. Pour éviter d'avoir tout le temps la même. On peut ramasser des chants différents endroits. Pour les dernières minutes, je pense qu'on va aller faire le
point de synchronisation qui est là-haut. Ah, il y a un messager. Pourquoi je le voyais pas? Viens un peu sur le toit. Tu vas retarder, moi j'ai quelqu'un. Je pense quelqu'un là. Hop, voilà, hop. Le messager là. Viens là. Et arrête de courir. Oh non, c'est lui. C'est un meurtrier. C'est un pirate. Voilà. Il a cru pouvoir m'échapper. C'est mignon. Par contre, à mon avis, l'objectif c'était capturer et pas tuer, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Les points d'observation, alors j'en ai où? Partition s'est envolée, bah oui. Wow, mais comment ça va faire pas beau? Oh, pardon. Bah, je crois que ceux-là, c'est en fait s'ils me veulent. Ouais, ils vont vouloir des emmerdes. Ah, c'est bon, ils vont abandonner. Il y a un contrat d'assassination, finissez par ça. Contrat d'assassin de l'autre côté. Hop. Alors récompense, 1000 reales, ne prenez pas voir le combat, 500. Corsaire joue les receleurs pour les Templiers se cacheraient dans le quartier pauvre de la Havane. Trouvez-le et tuez-le. Très bien, on va le tuer. On va le tuer, c'est rapide. Alors, voyons un petit peu où qu'il est. Ah, oh là, il est où? Moi, je suis là, mais on va parfait. On va le point de synchronisation en chemin. Bah, il est pas où? Il est pour haut celui-là. Le garde littéralement il s'en bat les couilles. Le garde marche sur la table, le garde s'en bat les steaks. C'est Tug Guard. On a trouvé Tug Guard, ça y est. Le garde s'en bat les couilles, il marche sur la table, tranquille. Ça fera le nom de l'épisode, le Tug Guard. Hop. Et maintenant, direction la cible de ce contrat. Alors ça, c'est quoi déjà? Ça, c'est une plantation. Plantation, il me semble qu'on aura quelque chose à y faire là-bas. Alors voilà, donc là, généralement les cibles d'assassinat sont dans ces trucs-là. Et elles sont assez rapides à trouver, voilà, hop. En général, le mieux, c'est de chercher soit des danseuses. Faut te faire ça pour en plus, en fait. Ensuite, on cherche un endroit où se planquer. On attend qu'il tourne le dos. On se planque. On peut planquer en dessous là. Mais là, reste plus qu'à attendre qu'il vienne de son propre gouverneur, de son propre chef. Allez, viens là.
Voilà. Parfait, parfait, parfait. J'ai réussi deux objectifs, donc j'ai gagné 1500 réales. C'est parfait. Quoi ça? Pirates Beware. J'avais jamais fait captiver des panneaux comme ça. Qui sont écrits même derrière d'ailleurs. Les... Pas attentionné. Donc voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Pensez à laisser un petit commentaire. Un petit pouce vert. Oh bah. Un petit pouce bleu. On peut pas encore y accéder, c'est les trucs pour vendre, qui vendent les pièces de navire. Pas encore y aller. Donc j'espère que l'épisode vous aura plu. C'est un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve là. Oh, attendez, je sais où je vais finir. Attendez. Où je vais finir la vidéo. Oh merde. Voilà. Donc on se retrouvera la prochaine fois pour le prochain épisode. Salut tout le monde. Allez, bye bye.